ce geste de toi viendra mon secours. Viens se met dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce 4 mai 2022. Ça y est, c'est le printemps. Le mois de Marie, le mois le plus beau, comme on se plaît à le chanter dans les paroisses. Aujourd'hui, je veux vous inviter au bonheur, à être heureux. N'est-ce pas que c'est, à quelque part, notre désir le plus profond? Quand on désire des choses humaines, naturelles, ce qu'on veut au fond, de plus profond, c'est être heureux, c'est le bonheur. On cherche tous à être un peu plus heureux, à trouver la vie plus belle. Et des fois, ben, malgré les épreuves, avec les épreuves, on se dit, ben, est-ce que la vie est belle? Finalement, Geneviève a toujours le sourire le matin là, à la victoire de l'amour. Elle est déconnectée de la réalité. La vie, c'est pas toujours la joie, le bonheur. Vous avez raison. Le bonheur, c'est aussi une décision, souvent. Et j'ai développé que la connexion à la source qui m'habite est le moyen pour moi de continuer de trouver la vie belle, de continuer de trouver que la vie vaut la peine d'être vécue malgré les épreuves. Peu importe les guerres, les famines, les soucis, la maladie, nous traversons tous des épreuves. Allez me connecter à la source qui m'habite est le moyen pour moi de continuer d'avancer, malgré les épreuves, dans les épreuves parfois. Et je veux vous partager ce truc-là, ce moyen-là que je trouve. Et j'ai 4 images, parce que le matin, première chose que je fais le matin, c'est me connecter. J'appelle ça me connecter. C'est la première image qui m'est venue quand j'ai commencé à méditer là-dessus, une connexion comme une connexion électrique. Mais il y a aussi aller puiser à la source comme dans un puits. Si on aime l'image de l'eau, aller descendre là où il y a une source, comme la petite Bernadette à Lourdes. La Vierge Marie lui aurait dit « gratte ». Et elle gratte la terre comme ça dans la boue et une source jaillit. Aller là à la source. En nous, on imagine, hein, on se fait des images, des scénarios pour aller boire à la source, aller se connecter, aller dire au Seigneur, ben Seigneur, viens me connecter à ta source, viens me remplir de cette eau vive qui donne la vie. L'autre image, c'est l'image de la voile. Comment se connecter au vent, au grand vent, cette puissance de l'Esprit-Saint aussi, tendre notre voile intérieure. Quand les matins où je viens pour vous saluer comme ça, bien, c'est la voile, je tends la grand voile, je hisse la grand voile intérieure pour que le vent prenne dedans, pour me laisser conduire par l'Esprit-Saint. Et c'est une source qui m'amène plus loin. C'est un moyen, l'identité de Dieu qui m'amène plus loin, son grand vent qui m'amène au port. Sinon, on peut s'imaginer aussi comme les racines d'un arbre qui descendent profondément. Aller là où les racines ont allé au fond, pour se connecter à cette vie qui, malgré les hivers qui font qu'on perd nos feuilles, on continue de rester en vie, on continue de trouver la vie belle, trouver que la vie vaut la peine d'être vécue malgré les épreuves. Allez, enfonçons nos racines profondément pour ne pas perdre l'espoir. Et la dernière image, c'est le feu. Chaque matin, allons brasser les cendres, il en reste toujours de la petite braise. Tassons les cendres, il reste de la petite braise, on ajoute un peu de bois, un peu de notre temps. Et hop, le feu reprend. La vie peut être belle, la joie reprend. Hein, je ne dis pas d'une joie exubérante nécessairement tous les jours quand on ne file pas. Mais la vie vaut la peine d'être vécue. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter le cadeau du mois de mai, le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Ça fait des années que vous nous demandez une médaille miraculeuse que vous pourriez porter même comme pendentif, bon, peu importe. Et ça a pris des années avant qu'on puisse trouver un fournisseur qui pourrait la fabriquer en acier inoxydable frappé au laser et qui ne ternit pas, évidemment. Ça vient avec la chaîne. Vous la voyez à l'écran présentement. Alors, c'est une réplique exacte de la médaille miraculeuse. Vous savez que ça s'est passé en 1830. Sainte-Catherine Labouré a eu l'apparition de la Vierge Marie sur la rue du Bac à Paris, dont j'ai eu la chance d'aller visiter. Et c'est la Vierge Marie elle-même qui a demandé à Sainte-Catherine de fabriquer cette médaille. Et la Vierge Marie a dit ceci, c'est pour moi qu'il dit, « Tous ceux qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. » Comme je vous dis souvent, ce n'est pas magique. Même Marie le dit, il faut y croire. Et si on a confiance, de belles grâces vont descendre sur nous. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ ça ne ternira pas parce que c'est en acier inoxydable. Et évidemment, cette médaille, elle est déjà bénie. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint tout de suite pour son homélie le Père David Vincent. Écoutons la parole de Dieu, ce que le Seigneur a à nous dire pour nous aujourd'hui. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule des Juifs, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. » Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux et celles qu'il m'a donnés. Car la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme prêtre dans une paroisse, il m'arrive bien sûr d'accompagner des familles à travers le deuil d'une personne, de célébrer les funérailles. Et célébrer les funérailles, j'oserais dire, ce n'est jamais quelque chose qui va de soi. Ça demande beaucoup de préparation, beaucoup d'empathie, beaucoup d'attention. Et la page d'Évangile qu'on vient tout juste d'entendre est une page d'Évangile qui souvent va m'inspirer pour accompagner les familles qui sont en deuil. Car très souvent, j'oserais dire que le moment où les gens sont le plus accueillants, j'oserais dire attentifs au message de Jésus, au mystère chrétien, c'est souvent dans l'étape du deuil. Souvent,
Les personnes ont cet instinct, cette intuition de vouloir accompagner l'être aimé qui est décédé jusqu'au bout, d'exprimer toute leur reconnaissance. Puis aussi, j'oserais dire, ils sont à la fois bouleversés et également devant tout le mystère du passage mort-résurrection. Et cette page d'Évangile, je la trouve d'une certaine manière inspirante aussi, pour d'une certaine manière nous aider à nous approcher peut-être de ce que le Seigneur veut nous léguer en héritage. Je m'explique. Il y a quatre éléments dans ce passage d'Évangile qui peuvent facilement nous aider à nous approcher davantage du mystère mort-résurrection. D'abord, dans cette page d'Évangile, Jésus nous parle de Dieu comme son Père, la volonté de mon Père. Il ne parle pas d'un Dieu qui est un juge, d'une présence qui vient pour nous culpabiliser, nous écraser ou qui veut simplement peser, j'oserais dire, des bonnes actions, mais des mauvaises actions. La première chose que Jésus nous révèle dans cette page d'Évangile, c'est que Dieu, il est d'abord comme notre parent, comme quelqu'un qui est à la source, à l'origine de notre vie. Et il est celui, dans le fond, que l'on peut découvrir, celui qui nous aime comme un parent. Première chose. Deuxième chose que l'on peut découvrir, c'est que cette présence du Père n'est pas venue pour, justement, nous mettre à l'écart. Jésus dit bien, « Je suis venu, dans le fond, pour vous donner la vie, pas pour vous laisser dehors, vous laisser à l'écart. » Il y a d'autres endroits dans l'Évangile où Jésus dit qu'il est venu nous préparer une place. Ou un autre endroit dans l'Évangile que Jésus dit qu'il y a beaucoup de place dans la demeure du Père. Bien, Jésus ne veut pas nous laisser dehors. Il nous prépare un endroit. Il y a un espace, peut-être qui est difficile à comprendre avec notre tête, mais qui se découvre davantage au niveau du cœur. Et cet espace, j'oserais dire, nous permet de découvrir ce troisième élément dans l'Évangile. Jésus dit qu'il veut nous donner la vie éternelle. Ce n'est pas un bail de 2-3 mois ou ce n'est pas un contrat de 2-3 ans que Jésus veut nous donner. Mais c'est vraiment la vie éternelle, la vie en abondance qui ne finit pas. Le Père qui nous accueille dans un espace qui n'est pas là pour nous mettre à l'écart, mais nous faire entrer dans sa vie, et une vie éternelle. La quatrième chose que l'on peut découvrir, c'est que si on accueille Jésus dans notre vie, si on s'ouvre à la foi, j'oserais dire que c'est la condition qui nous permet d'entrer dans cette vie nouvelle. Ça peut peut-être paraître difficile de dire, est-ce que j'ai la foi assez pour entrer dans la vie éternelle? La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on a d'acquérir, j'oserais dire, une fois pour toutes, mais c'est un chemin, c'est un processus, c'est une expérience, c'est une relation avec cette présence du Christ que l'on découvre, que l'on cultive durant toute notre vie. Jamais quelque chose que l'on possède, mais quelque chose que l'on découvre. Et souvent, j'oserais dire que dans les familles que j'accompagne, il y a souvent déjà ces bribes de foi, d'espérance, qui font qu'on veut continuer de s'adresser à la personne qui est décédée. On souhaite la retrouver. On souhaite également que ces personnes deviennent pour nous comme des anges gardiens, de ces présences qui continuent de veiller sur nous. Ce sont tous, j'oserais dire, des petits bouts de foi, même s'ils sont exprimés de bien des manières à travers différentes façons de se situer dans la spiritualité. Ils nous parlent de la foi, que nous sommes des êtres fondamentalement croyants. Bien, aujourd'hui, avec cette belle page d'Évangile, demandons au Seigneur de nous ouvrir à la vie d'abondance qui ne finit pas. Et moi, je demande à Dieu de vous bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je viens vous redire que je prie chaque jour pour vous. Je vous demande de prier pour moi aussi, s'il vous plaît. Je vous souhaite une excellente journée. Alors, je la trouve courageuse et je l'ai toujours trouvée courageuse et elle nous le prouve encore à tous les jours. J'ai d'amour pour toi. Toi, mon premier sourire, mon premier souvenir. Toi qui m'as vu grandir, mes bras sont bien trop courts. Tellement j'ai d'amour.